comment on passe de la musique à la littérature? C'est parce que je pense très honnêtement, pour répondre à ta question, c'est le contexte. C'est-à-dire, moi je prenais des notes depuis la fin des années 90, quand j'ai commencé à travailler avec Madonna, je voyageais beaucoup, je prenais des notes, mais c'était pas encore le bon moment pour écrire parce que il y avait encore un tout petit peu de liberté dans ce que j'appelle le marché fictif de la musique, c'est-à-dire le streaming. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que maintenant, enfin, il y a des super artistes, le problème n'est pas là, c'est le système qui est fictif. Et donc, écrire, ça correspond aussi à un petit rétablissement de la vérité. Et par exemple, le Taxi Viewer, parce que j'ai écrit un premier livre avant, c'est pas un rétablissement, j'appelle ça une contre-biographie. Pas pour rétablir la vérité de Daniel Darc, qui honnêtement racontait n'importe quoi, c'est comme souvent sur le groupe, mais c'est juste pour. C'est un truc plus global, hein. C'est pour rétablir. Un peu de vérité, une espèce de fiction dans laquelle on est en train de plonger. Donc c'est pour ça que l'écriture, écrire, qui est quand même. Enfin, écrire un livre aujourd'hui, enfin, ce type de livre, j'ai l'impression que c'est presque un don à la littérature. Hein. C'est-à-dire, c'est pas sur ça que. Enfin, la plupart. Enfin, moi, je vénère les auteurs, les vrais, les véritables auteurs, aujourd'hui, qui aiment la littérature. Je parle de littérature, hein. Je parle pas d'autofiction, de fiction. Et parce que c'est vraiment un don qu'ils font et sont des gens utiles. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire, parce que c'est quand même très intéressant, parce que c'est un des seuls moments de vérité dans cette espèce de grand marché fictif dans lequel on est en train de rentrer tous, qu'on le veuille ou non, hein, c'est-à-dire c'est le monde digitalisé. Quoi. À propos de fictif, tu racontes dans le livre que celui qui se prenait pour. Un écrivain, un syntaxigone, c'était Daniel Darc. À chaque interview, il racontait qu'il était en train d'écrire un livre. Oui. Comment se fait-il, comment expliques-tu qu'en fait, finalement, c'est toi qui écris le livre? Ça, c'est. J'ai vécu plus longtemps que lui. Non, alors, Daniel avait des capacités réelles pour écrire. C'est juste que, bon, il avait commencé à se défoncer. Et il lisait. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les héros inhumains, mais. Enfin, en action, hein, je parle. Bon bah ils font un fixe, un shoot quoi, et au bout de 2 minutes ils dorment quoi, donc ils lisaient 3 lignes quoi, donc ils pouvaient pas se concentrer pour écrire. Mais il avait ce livre dont il parlait tout le temps dans les interviews qui s'appelait L'Ange Glacé, qui je trouve convenait très bien, et le héros s'appelait Jésus Goldman. Voilà, et donc je connais même la première phrase, je m'en souviens, peut-être je la raconterai en même temps. Oui, moi il m'avait montré, il sortait tout le temps des feuilles, mais est-ce que ces feuilles existaient vraiment? Est-ce qu'il écrivait ou est-ce que c'était comme dans Shining? Ouais, je suis de Shining. Ouais. Non, Daniel écrivait. Après, bon, très longtemps après, je me souviens que, bon, Chercher le garçon, c'était un emprunt à Chandler, Les armées de la nuit, c'était Norman Mailer, voilà. On avait même une chanson qui est la dernière chanson de Seppuku qui s'appelle 13e section. Une sorte de polar avec un meurtre et tout ça. Et en fait, en retrouvant des contrats originaux, en fait, ça s'appelait Ode à Jean Genet. Et je me souviens des paroles. C'était une référence aux bonnes de Jean Genet. Donc tout ça pour dire qu'on était quand même un groupe très très littéraire. Et je trouve que ça manque aux gens. Et toi, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir écrire ce livre? Est-ce que quand tu l'as commencé, tu t'es dit. Il faut que je rétablisse la vérité, mais est-ce que tu pensais que ce serait un livre aussi sombre, aussi anti-biographie de musiciens? Moi, quand je dis les biographies de musiciens, c'est quand même le monde merveilleux du rock. Oui. Non, mais non, c'était pas pour ça, c'était parce que ça fait partie d'un projet plus vaste, qui est une trilogie globale qui s'appelle le showbiz, mais à l'anglais, c'est-à-dire, comme vous savez, les anglais, ils prononcent toujours... avec un mot anglais derrière, et j'aimais bien, donc ça fait, en acronyme, ça fait LSB, et c'était le tome 1, Taxi Girl, mais il va y avoir un deuxième tome, en fait là c'est 84, en fait ce livre-là actuel c'est le 78-81, et il va y avoir le 82-86, et je voudrais réunir le tout en un seul tome, et après il y aura un deuxième tome qui sera Miroir, et c'est un troisième sur autre chose encore. Parce que j'aimerais bien décrire, parce que j'ai une expérience quand même assez large et je dirais spectrale de cette entité qu'on appelle, enfin ce concept qu'on appelle le showbiz,
que ça aille du groupe Body au stardom de Madonna, au showbiz américain, en passant par l'électro que j'ai connu aussi, et la synth-pop, enfin, et Kraftwerk avec Maxime qui est là, qui ont été nos parrains. Donc il y a quand même beaucoup de choses à raconter, mais je dirais d'une manière littéraire. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une contre-biographie. Parce que les bio aujourd'hui, c'est bon, on a commencé, j'étais doué, mais tout le monde était contre moi, puis j'ai rencontré les copains de mon groupe, puis on a lutté, personne ne voulait de nous, et puis on a quand même réussi, à la fin on est super bons, et maintenant on est des génies, enfin, c'est pas du tout ça, la réalité d'un groupe. C'est, ça ressemble, je sais pas si mon livre aura grand succès, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça se rapproche plus de ça. Du chaos originel d'un groupe de rock, en tout cas dans les 70s, à la fin des 70s, que cette espèce d'apologie débile qu'on voit, enfin, ces bio qui ressemblent à rien en fait. C'est à la limite commandé presque par l'artiste, quoi, donc c'est pas du tout intéressant. Et tu savais que ce serait un livre très sombre, tu as vécu l'aventure de l'intérieur, non, donc il est pas du tout sombre. Attendez de voir le reste, il est très sympathique par rapport à ce qui... Et j'ai édulcoré. Mais c'est cette vision où en fait tout le monde se tire dans les pattes. Toi tu racontes que tu voulais juste faire des solos, faire de la musique, avoir un groupe, et en fait tous les autres étaient là pour d'autres raisons. Oui. C'est quelque chose qui est spécifique à votre groupe, à la musique, à la société. Non, il faut que j'explique. Et je pense qu'au-delà de ma propre histoire de Taxi Girl, c'est un témoignage sur la fin des 70s. Enfin, la façon dont les gens s'exprimaient ou tentaient de s'exprimer à la fin des 70s. Et attention, hein, j'idéalise pas du tout cette période. C'est juste que c'était le mélange de pas mal de vecteurs. C'était le reflux hippie, et qui était encore là. Hein. Les hippies, ça s'est terminé en 83. Hein. Le punk 77 a démarré, mais c'était des anti-hippies, mais c'était un peu la même chose. Et c'était de la contestation. Sur ce, il y avait les punks 68 qui étaient en train de prendre le pouvoir, et il y avait les anarchistes, les autonomes, l'extrême droite qui était extrêmement puissante à l'époque. On parlait même pas d'identitaire. Vous baladiez, moi j'étais au lycée quand j'avais 16 ans, rue d'Assas, vous pouviez même pas vous balader avec Libération dans la main, vous faisiez démonter la gueule, quoi. Donc c'était intéressant parce que tous ces gens-là, bah d'ailleurs j'ai une petite anecdote que j'ai pas racontée dans le livre, j'étais dans un lycée où je me suis fait virer, et je m'habillais tout en rouge, et les mecs ils voulaient absolument me casser la gueule, c'était que des fachos, rue d'Assas, hein, ça se passait. Et en fait, à un moment donné, ce qui m'a sauvé, ils m'ont dit « mais t'écoutes de la musique, toi ?» J'ai dit « ouais, bon, fièrement, j'avais les cheveux longs. » Ils m'ont dit « mais t'écoutes quoi ?» Ben, j'écoute « Asphalt Jungle »,« Metal Human », ils m'ont dit « ah, bien !» Et ça m'a sauvé, et donc, c'est pour expliquer que c'était un peu bizarre, mais même les fachos écoutaient le punk naissant, et donc c'était vachement intéressant, et donc, il y avait une espèce de... Il n'y avait pas internet, donc il fallait aller chercher les infos dans la rue, dans les boutiques, dans les boutiques de vinyle, où t'écoutais les disques quand même. C'était pas du streaming. Il y avait un acte, il y avait un engagement physique, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Mais après, bon, chaque époque fonctionne d'une manière différente. Hein. Et est-ce que pour toi c'est l'histoire d'un échec? Et que vous étiez condamné d'avance? Condamné d'avance, oui, ça on savait. Mais non mais Taxi Girl, enfin j'emploie le mot invraisemblable parce que c'est vraiment le truc, c'est le mot qui correspond le plus, quoi. C'est-à-dire on avait absolument tout pour nous. Parce que si on regarde bien les faits, c'est-à-dire on n'est pas arrivé les premiers, il y avait Jacques No, il y avait d'autres groupes, hein, même Marie et les Garçons, il y avait d'autres groupes concurrents. Mais on a été les premiers à cristalliser et tout le monde nous voulait, à un moment donné on a réussi avec Cherchez le Garçon à inventer ce qu'on appelle la synth-pop, mais presque à un niveau international. Nous on s'en rendait pas compte, mais on était du niveau des groupes américains, et d'ailleurs on avait signé sur Virgin, on faisait les Stranglers, on faisait les premières parties, et on aurait pu réussir. Et donc c'est invraisemblable, parce que quand vous loupez tout, alors que vous avez tout, là c'est vraiment ce que j'appelle la loose magnifique. C'est-à-dire, ça c'est bien. Et donc, il n'y a pas de regret, parce que quand tu loupes comme ça, et que tu as tout et que tu loupes, c'est le beau geste. Mais par contre, celui qui loose au bout de 40 ans de laborieux... moi je vois, c'est marrant, parce que... parfois je vois des photos et je vois des groupes de l'époque dont je me souvenais plus du tout du nom, sur lesquels on a investi des millions de francs à l'époque, c'était des francs.
plus personne s'en souvient. Alors que nous, on est à peine réédité, même pour des histoires techniques. Et les gens s'en souviennent bien de nous. Donc voilà. Et donc, pour terminer après avec Taxi Girl, tu as totalement rebondi ensuite. Est-ce que tu prends ça comme une revanche sur l'échec de Taxi Girl, ensuite, tous les succès que tu as connus par la suite? J'ai jamais vu les choses comme une revanche. Moi, je fais. Bah, quand on parle de groupe situationniste, on était vraiment situationniste. Parce que les gens ont tendance à oublier. Il y a beaucoup de théories sur situationnisme, etc. Mais le situationnisme, on peut le définir de manière très simple, c'est-à-dire la création de ta propre situation. Donc, bon, bah, Taxi Girl, on a tenté de créer notre situation, on l'a faite. Bon, elle était. on s'est vautré. Mais je dirais que après, par la suite, bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était le futur, c'était pas le bac catalogue, quoi. Merci. Ben, merci à toi aussi. Et voilà, donc, je peux passer aux dédicaces, hein, pour ceux qui le veulent.